Subitement, Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, est devenue fréquentable pour les médias de l'audiovisuel extérieur français, sans qu'on ne sache qui a tué le journaliste franco-canadien Guy-André Kiffer, 16 ans après. Une affaire dans laquelle on n'a jamais prouvé l'implication d'un de ses proches et dont les médias français nous ont rebattu les oreilles, à l'époque où l'opposant Ouattara était le démocrate à vendre. Mais que voulez-vous ? La recette marche surtout avec les Africains. Ils aiment se regarder dans le miroir de l'autre. Ils s'y trouvent plus beaux. Les médias français tapent le tam-tam et les Africains dansent. Des délégations ministérielles investissent, envahissent les plateaux parisiens pour parler d'un pays à 6000 km. Le soft power français a encore la peau dure, l'eurocentrisme aussi. C'est tout le sens de mon profond dépit pour l'audiovisuel extérieur français.